Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. Nous nous retrouvons encore de ce témoin puissant, comme promis, c'est la deuxième partie. Yeah! Mes frères et sœurs, je suis chaud. Je suis sûr que vous êtes chaud. Applaudissez-vous-même, mes frères et sœurs, je suis extraordinaire. Alors vous êtes plus extraordinaire qu'extraordinaire. Si vous êtes nouveau, ça veut dire que vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez directement sur s'abonner en dessous de cette vidéo. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et laissez un j'aime quand vous serez touché par ce témoin. Je dirais même pour ne pas oublier, il vous est préféré de commencer par laisser un j'aime. Dans la première partie, ce test sataniste nous a raconté des choses sur comment briser les liens de la sorcellerie et on a dit de la magie. Et dans cette deuxième partie, il va continuer ce qu'il a commencé et achever son témoignage qui a duré 9 chapitres. Vous pouvez retrouver tous ces témoignages sur notre bonne. Et il va achever son témoignage pour bah, expliquer comment il a été délivré et comment un sataniste peut être sauvé de la main du diable. C'est un témoin extraordinaire qui va nous délivrer des yeux du monde des ténèbres. Alors mes frères, joignez-vous à moi et prions ensemble. Disons, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens et couvre-nous par ton esprit, couvre-nous par ton sang, purifie-nous Seigneur, pardonne-nous nos péchés, assiste-nous pendant le temps que nous écouterons ton témoignage, ce témoignage si extraordinaire qui nous permettra de monter en une autre dimension de la prière. Et donne-nous une fois de prière à la fin de ce témoignage, permet que nous allions plus loin que loin avec toi. Amen. Mes frères et sœurs, préparez-vous parce que ici, il va nous dire des choses qui vont vraiment nous étonner. Si vous avez peur, n'ayez plus peur. Jésus est là pour nous aider désormais. Et ça va être chaud. Let's go. Écoutons-le. Frère, si quelqu'un venait déposer des livres occultes à l'église, dites à cette personne, envoie cette personne vers le pasteur parce que tu ne connais pas le niveau de ta foi. Dans la première partie, qu'est-ce qu'on a dit? Dans la première partie, on a dit que il avait un livre, quand il est venu se confesser devant l'homme de Dieu, il a laissé son livre occulte chez l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu ne voulait pas tout simplement détruire ce livre occulte. Il voulait plutôt découvrir des choses sur les démons. Or, ce livre occulte-là était dangereux. Mais il n'a pas écouté. Et c'est ce livre occulte-là qui a tué un enfant de la famille. C'est plus tard, l'on brûle ce livre occulte. Vous pouvez regarder cette partie-là à la fin de la première partie, témoignage puissant 142. De toute la façon, à la fin de cette vidéo, la première partie sera ici. Vous pouvez tout simplement la regarder. C'est parti. Frère, si quelqu'un venait déposer des livres occultes à l'église, dites à cette personne, envoie cette personne vers le pasteur parce que tu ne connais pas le niveau de ta foi. Ne provoque pas certaines choses. Ce livre-là avait causé un dégât. C'est après qu'on a brûlé ce livre-là. Amen. Amen. Mais après kutoka mu monde Armstrong. Quand j'ai quitté le monde Armstrong, ile boule de cristal nilikuwa nayo kama mimi naiweka pa meza iko natosha my clash kukwaka besoin na hii manani ma lampe ya snel bintu kani sikukaa na bio besoin tena. Cette boule de cristal que j'avais emporté lorsque je mettais cela dans la maison, elle éclairait plus que les ampoules. Mais condition moya balinipatia. Mais on m'avait donné une condition. Ishikapimake kutushie mtu. Que cela ne touche personne. Au moins bibi yako ye moya. Au moins ta femme. Mais na kama mimi nataka kusumbulia na monde Armstrong. Lorsque je voulais communiquer avec le monde Armstrong, taiweka pa meza. Je mettais cela sur la table. Minta baita le must karibu de kidu tamurita. Ziku bila abo bene banichika o. Déjà inafunguka tunaanza kusumbulia na. Je faisais cette formule là et cela s'ouvrait, je pouvais communiquer avec eux. Wow. Et les gens dans la maison entendaient cela. Les gens entendaient cela, même des enfants. Mais lorsqu'un enfant pouvait maintenant répéter ces formules-là, ils allaient répondre, mais la nuit, il allait être tourmenté. Si les sorciers font des communications, moi j'entendais à partir de ce boule de cristal.
Le sorcier peut être même en Gandanjika. Il se communique avec un sorcier qui est dans mon quartier, j'entendais tout. Et toi, un étranger, quand tu entrais dans ma maison, tu allais croire que c'est quelque chose qui était en train de parler. Si tu as un mari sorcier, il va tellement t'envoûter, tu seras la première personne à ne pas accepter qu'il est sorcier. Et les femmes ne sont pas souvent difficiles. Si elle est bien habillée, elle est bien nourrie, elle va même oublier cette sorcellerie-là. Ma femme ne connaissait pas cela. Parce qu'elle était tellement fière de moi. Alors que j'avais une telle chose dans la maison. Si c'était une femme intelligente, elle allait me poser la question, pourquoi seulement moi je peux toucher les autres, non? Amen. Amen. Ile pierre cristal il kombola ta ile caméra de surveillance. Ile caméra ikukwe na nguvu sa ile pierre cristal. La pierre de cristal avait même remplacé la caméra de surveillance et n'avait pas la même force que la caméra de surveillance. Mu magasin ngina ba indien mine yona kele ma boule de cristal. Même dans les magasins des Indiens, je vois cette boule de cristal. Eko pale ko na sumbura na ba kuenzi. Il est là, il est en train de parler avec des gens qui sont en aide. Et c'est à tout moment qu'il peut communiquer, il n'a pas un problème de réseau. C'est là que ma vie allait dans le danger. Il y a un frère dans ma famille. Il est venu, soi-disant qu'il était pasteur. Il y a des gens, s'il s'ennuie, il n'a rien à faire, il commence même une église. Et subitement, on a vu qu'il était devenu un pasteur avec beaucoup de gens. Maintenant, dans l'église où il était, les gens étaient en jeûne. Et Dieu a révélé à une maman les problèmes de ma maison. Et elle a suivi son pasteur. Et tu as un petit frère du nom de tel. Dans sa maison, il a une pierre de cristal, il vous contrôle vous tous et c'est aussi un grand sorcier. Wow. Et quand tu vas même aller dans la maison, tu vas vérifier, tu vas trouver cela sur la table et ça éclaire même. Qu'est-ce qu'il va trouver sur la table, mes frères et sœurs? C'est quoi? C'est ça, là! C'est ça! Une boule de cristal, c'est ça! C'est une boule comme toutes les autres boules. Non! C'est tout, sauf une boule ordinaire. Elle a la possibilité de briller comme ça lorsqu'on fait une invocation ou une prière spéciale. Regardez comme elle brille. Elle brille même plus que les ampoules de la maison. Et Dieu a révélé ça à quelqu'un de l'église. Que va-t-il se passer après? Aïe, 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 aïe. Ce qui va se passer après, là, ça risque même de vous faire rire. Franchement, franchement, si vous n'avez pas, vous connaissez pas votre niveau de foi, n'allez pas dans un jeune féticheur pour essayer de le défier. C'est inutile. Écoutez, vous allez découvrir ce qui va se passer ici. Et là, vous serez étonné. C'est parti. Frère du nom de tel. Dans sa maison, il a une pierre de cristal, il vous contrôle vous tous et c'est aussi un grand sorcier. Et quand tu vas même aller dans la maison, tu vas vérifier, tu vas trouver cela sur la table et ça éclaire même. Wow. Ils ont parlé de ça à l'église. Comment est-ce que j'ai su cela? Et ce maître-là est apparu lui-même dans la boule de cristal. Il a commencé à m'expliquer. Église, c'est que l'homme de Dieu a dit ici, les secrets que nous entendons du diable, c'est comme si nous sommes en train de l'énerver. Mais la meilleure chose, ce n'est pas d'écouter. C'est la semaine qui va commencer. Nous devons entrer dans le combat spirituel. Les
La meilleure chose que tu dois faire, c'est d'abord d'entrer dans la prière. Tu peux dévoiler ces secrets-là même à d'autres personnes. Le diable va sérieusement te combattre, mais il est préférable que tu entres dans la prière. Et ils ont pris une décision pour venir chez toi à 19h et emporter la boule de cristal. Et s'il venait ici, nous allons le brûler. 19h, à 19h, j'ai entendu quelqu'un qui était en train de frapper à la porte. Dans le règlement, si quelqu'un frappe à la porte, je dois d'abord aller l'accueillir et lui donner une place. Et quand je suis allé pour ouvrir, il était entré dans la maison en priant déjà. Tu vas dans la maison des gens en priant déjà, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Et quand je suis allé pour ouvrir, il était entré dans la maison en priant déjà. Et pendant qu'il était en train de prier, il a vu la boule cristal. Et il a pris cela en main. Et j'ai vu des flammes de feu. Et j'ai senti l'odeur de la viande grillée et sa main était grillée. Hein? Et il a entendu quelqu'un rire dans la maison. Nous tous, nous avons entendu quelqu'un rire dans la maison. Et en regardant, c'était de cette pierre que sortait le rire d'une personne. Et ce serviteur l'avait même pris la fuite. Il est parti de la maison. Il a fui. What? Moi, are you going? Où vas-tu? Tu as fui. Il a fui. Hey, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous vous avons dit, si vous n'êtes pas bien préparé, vous ne connaissez pas le niveau de votre foi, n'affrontez pas le diable comme ça. Soyez bien préparé. Hey, on ne se lève pas. Nous, souvent, on ne se lève pas comme ça pour faire de telles vidéos. C'est parce que cette vidéo, on a été préparé depuis très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons ce témoignage, hein. Ces témoins existent avec nous, je dirais même plus de 3 ans. Mais c'est seulement en 2017 que Dieu a décidé qu'on travaille ces choses afin que vous puissiez découvrir cela, comme nous l'avons découvert. Mais lui, il n'était pas bien préparé. Et regarde ce qui se passe avec lui. Il a fui. What? Ok, allons-y plus. Hein. Et ce serviteur l'avait même pris la fuite, il est parti de la maison. Amen. Amen. Mukono na lungula. Sa main était brûlée. Nini kurita butumishi bule Mungu abuyue. C'est quoi? Parce qu'il s'est appelé serviteur alors que Dieu ne le connaissait pas. Et tu vas provoquer les choses du diable. Dieu ne connaît pas ces choses-là. Et cela m'a accordé tellement de fierté. Et même aujourd'hui, sa main a des traces. Si tu n'as rien à faire, ouvre un bar. N'ouvre pas une église, ouvre même un bar. Ouvrir une église si Dieu ne t'a pas appelé. Là, tu vas tuer tes enfants. Et surtout dans la ville de Kolwezi. Et quand vous ouvrez une église, la première des choses qu'ils chercheront à connaître, ton état d'âme. Ce sont des serviteurs du genre, vous entendez qu'il avait une église, par après il est dans des bars. Dieu ne l'avait jamais appelé, il s'est appelé lui-même. Après quelques jours, j'ai reçu un pasteur. Ce pasteur avec mon frère aîné ont grandi au même endroit. Et il était habitué à notre maison. Un jour, il est venu me rendre visite. Et à 20h, il a frappé à la porte. Je l'ai approché, il est entré dans la maison. Et quand il est entré dans la maison, et la boule de cristal s'est même éteinte.
Et j'ai voulu invoquer, j'ai laissé à cause de lui. Et on a commencé à parler. Et il m'a posé la question, pourquoi vous habitez dans une maison où il y a des ténèbres? Et on a allumé la bougie. Là, une autre personne est entrée chez lui. Ah, hey! On a commencé à parler, on a commencé à parler. Et à la fin, il a vu ça sur la table. Cela était comme un diamant. Et il m'a dit, petit, ça c'est quoi? Il a même touché la chose. Il ne savait rien, il était en train de toucher la chose. Et il a laissé la chose, il m'a dit, je suis parti. Et en sortant de la parcelle, maintenant il y avait de la lumière. Oh! Mais c'était qui au juste? Est-ce que c'était un vrai homme de Dieu? On ne sait plus le quoi, ça va plus. Mon maître était tellement fâché. Comment se fait-il que tu as fait entrer cette personne dans la maison? Et j'ai demandé au maître, c'est quoi? Tu commences même à faire entrer les sorciers dans la maison. Hein? J'avais divisé son église. Je suis allé dans son église pour dire que votre pasteur était un sorcier. J'ai des choses dans ma maison qui ont confirmé cela. Comme les gens nous connaissaient avant comme des ninjas, les gens n'avaient pas nié cela. L'église s'est disloquée. Ça, c'est la campagne du diable. Si tu pries beaucoup, on t'appellera aussi sorcier. C'est comme ça dans le monde de la sorcellerie. Selon eux, le sorcier, c'est celui qui détruit l'œuvre d'autrui. C'est pourquoi ils n'aiment pas qu'on les appelle sorciers. Entre eux, ils s'appellent Kamuchape. C'est le nom qu'ils préfèrent. Retiens bien ces choses. Vous allez entendre quelqu'un te dire que moi je suis un Kamuchape. Il te dit indirectement qu'il est sorcier. Il te dit même à la maison, j'ai le Kapenikantuchila. On ne vend pas cela au marché, on le trouve dans le monde de la sorcellerie. Son église s'est disloquée. Wow. À cause des paroles que j'avais dites. Amen. Amen. Wow. On nous a convoqués par les grands. Ils avaient organisé une convention en janvier 95 dans la ville de Kolwezi. Dans ce parti où nous étions. On appelait tous les chefs de collectivité de cette province. Que de chaque village viennent au moins 100 personnes pour qu'ils soutiennent cette convention. Et qu'on puisse tuer 100 personnes dans chaque village pour qu'ils soutiennent cette convention. Et on nous a même donné des mamans, nous sommes allés à 150 km au village Kasomeno. Nous avons fait une coalition. Nous avons fait une coalition. On a égorgé des chèvres, des poules. On aspergeait ce sang là partout et on avait envoyé la maladie de la dysenterie pour que 100 personnes puissent mourir. Et seulement à Kasomeno, à Kilelabalanda, à Bukama, à Dilolo, presque dans toute la province. À Kasomeno, les gens étaient tellement morts. Si cela te touchait à cette heure, d'ici 19h, tu pouvais déjà mourir. Si vous venez avec un véhicule de Kasenga, dès que vous arrivez au niveau de Kasomeno, tout ce que vous allez acheter à ce village-là, vous n'allez pas atteindre Lubumbashi. C'est la mort. Ces maladies-là, le choléra, la dysenterie, ce sont des choses que les sorciers envoient. Amen. Amen. Si ces maladies-là touchaient
une contrée. L'église a le pouvoir de chasser cette maladie là parce que l'église a le pouvoir. En effet. Même si on a mené n'importe quel médicament, comme ce sont des maladies qui viennent des esprits, si tu touches la personne, tu es aussi atteint. Amen. Amen. Si on il n'y avait que les papas ou bien les mamans, j'allais dire certaines choses. Mais dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas de respect. Qu'on soit enfant, qu'on soit une grande personne, vous faites tous les mêmes choses. C'était une mauvaise cérémonie. Pour tuer 100 personnes, nous sommes même allés au-delà de 100 personnes. Et cette convention s'est passée dans cette ville. C'était une réussite totale. Après la convention, le patron est allé en Afghanistan, pays moi à Moazi. Après la convention, notre patron s'est rendu en Afghanistan, en Asie. En allé tous les marabouts afghans. Et il a mené un marabout afghan. En a mené sur le marabout que n'a pas de mêler ou renforcer tena trône. Et il a demandé à ce marabout, j'aimerais que tu renforces encore mon trône. Et ce marabout s'est retiré, il est entré dans le cimetière de sapin, il a fait un mois. Parce que nous allions le visiter. Et la première chose qu'il avait dit à mon patron, c'est que interdit à toutes les églises de réveil de prier à partir de 18h. Si c'est un culte, ils peuvent le faire, mais pas des fortes prières à partir de 18h. Pourquoi on ne veut pas que les gens fassent des fortes prières? Mes frères et sœurs, si vous ne savez pas ce que ça s'appelle forte prière, voici un exemple. Vous êtes à la maison et vous remarquez que il y a des problèmes qui se passent autour de vous et vous sentez que vous êtes attaqué ou dans le lieu de travail et que vous sentez que c'est le diable qui est derrière cette histoire, derrière ce problème-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire une prière orientée en direction de ce problème. Et cette prière-là va être orienté de sorte que les démons qui se trouvent derrière les personnes qui se trouvent dans vos blocs vous fatiguent, là, Dieu puisse les chasser afin que vous puissiez être libre ou encore que ces personnes qui sont possédées là soient délivrées. Et vous levez le soir, vous faites comme ça. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, descends dans ma vie, pardonne-moi mes péchés, purifie-moi. Je sais que je ne suis pas parfait, pardonne-moi mes péchés. Voici ce qui se passe dans mon boulot, dans mon travail, s'il te plaît, descends là-bas. Tous les agents du diable qui sont en train de manigancer des trucs contre moi, que toi-même tu renverses tous les plans et les projets, et donne-moi toujours la victoire sur le diable, mes ennemis. Au nom de Jésus, j'invoque le feu de ton feu descende là-bas pour renverser tout ce que le diable fait contre moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Après ça, vous pouvez même adresser une louange à Dieu. Et ça fait ça là. C'est un exemple d'une forte prière. Et c'est une prière précise qui va tout simplement descendre, c'est-à-dire le feu va descendre dans le camp de vos ennemis, en particulier dans le camp des démons qui sont à la base des problèmes que vous avez dans votre entreprise ou encore au travail, comme vous l'a dit. Ces genres de prières-là, le diable déteste ces genres de choses-là. De telles prières, le diable n'aime pas ces choses. Il les déteste. Test. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr que oui. C'est ça, on appelle une forte prière. C'est pourquoi il ne veut pas que les gens prient à partir de quoi? 18h. Et si vous commencez à prier et vous voyez des gens rire à côté, sachez que ce sont les sorciers qui font ça. Ne vous inquiétez pas. Continuez toujours à prier et ne baissez pas les bras. Soyez toujours persévérant et allez jusqu'au bout. C'est parti.
culte. Si c'est un culte, ils peuvent le faire, mais pas des fortes prières à partir de 18h. Voilà. Ce n'était pas seulement au Katanga, mais c'était même au niveau de Kinshasa. C'était une décision qui était venue du monde des ténèbres. Et pendant ce temps, l'église s'était déjà levée pour détruit ces choses que les gens avaient déjà enterrées. Voilà. Et pendant ce temps-là, même dans les maisons des gens, les gens priaient beaucoup. Et ils ont interdit. Et ces communiqués passaient même. Et là où on va trouver des gens en train de prier, si ce n'est pas à Kassapa, on va même brûler la maison. Et ce marabout avait une télévision. Et là derrière il y avait un trou. Et ce marabout là avait l'habitude de mettre une photo derrière cette télévision. Partout où tu pouvais te trouver, on pouvait te voir. Et quand il prenait un aiguillon magique, dès qu'il allait te percer, tu allais mourir. Et on a commencé à faire des patrouilles pendant la nuit. C'était une patrouille mixte, DSP, garde civile et nous. Nous étions à peu près 12 personnes. Et nous promenions avec deux Pajero. Et sur toute la ville de Lubumbashi. Là où on va trouver seulement la prière. Et si on trouvait la prière, on vous arrête. S'il y a des résistances, on tirait. À cause de la prière, les gens combattent la prière. Parce que la prière a des effets. Ça a une puissance terrible. Vous allez la voir, elle rit. Il y a le feu. C'est pourquoi même il rit. Faites attention, continuez à prier. Ne vous laissez pas intimider. Les églises avaient beaucoup bougé, les fausses églises. Un jour, nous sommes arrivés dans la commune de la Kenya, au coin des avenues Bukama et Kasai. Nous avons trouvé une église en train de prier. Et nous attendions que l'ordre vienne de ce marabout-là. Depuis 2 heures du matin, nous étions là. Ils ont tellement prié. Et à 5 heures, ils ont tous quitté la prière pour aller à la montagne. Nous étions toujours là-bas. Et le marabout m'a donné 5 litres d'essence. Il me dit, fais le tour de la maison et brûle cette maison. Et tous ceux qui étaient dans la commune de la Kenya avaient vu cela. Ce n'était pas spirituellement, c'était physiquement. J'ai pris de l'essence et j'ai brûlé cette maison-là. Et pendant ce temps-là, le pays était vraiment mauvais. Et on attendait que quelqu'un puisse parler pour qu'on puisse tirer seulement. C'était ça la première victoire. L'église avait peur. Et il s'est passé des jours. Nous avions trouvé une église aussi grande comme celle-ci. Ils étaient aussi en train de prier dans la commune de Katuba. Ils avaient fermé toutes les portes et ils étaient à l'intérieur. Et ce marabout a sorti sa télévision et l'a placé ça sous le capot d'un véhicule. Il a commencé ses prières. Il a sorti un feu qui a touché la télévision. On voyait les gens qui étaient dans l'église. Et à partir de là, et il a sorti son aiguillon magique. S'il frappait, vous allez voir quelqu'un en train de prier. Après quelques minutes, il va s'endormir. Il avait piqué au moins 3 personnes. Ça, c'était des païens dans l'église. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, une pareille chose ne pourra l'atteindre. Et la Bible dit ceci. Amen. Amen. Et à la fin, il m'a donné 5 litres. Il m'a demandé de brûler toutes les lits.
Et je dis, avec tous ces gens-ci, il me dit, c'est un ordre, tu dois brûler. Regardez les nombres tels que nous sommes là. Et j'ai commencé à faire le tour de toute l'église avec l'essence. Et arrivé au bas de la porte, j'ai même versé quelques litres. Et j'ai pris de l'allumette. Et j'ai jeté dans l'église. L'allumette n'était pas allumée. J'ai essayé encore de jeter. Et quand j'ai pris le bidon, j'ai vérifié c'était l'eau, alors qu'on avait déjà oublié l'essence. Et nous avons fait le retour. Nous avons vu les grands. C'était la troisième fois que j'ai rencontré la puissance de la prière. Vous avez vu, la prière là est puissante, c'est pas de la blague. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ici? Le pétrole s'est changé en eau. C'est ça. C'est pourquoi nous vous avons dit, croyez seulement après avoir fait cette prière que Dieu agit à votre faveur. Et vous allez voir, si ça s'intensifie, continuez à prier. Ne passez pas là-bas jusqu'à ce que tout soit réalisé. L'église, il quoi brancher au trône ya Mungu. Kama ko brancher au trône, hata mtu ko nje waingiza atafanya kitu. Parce que cette église était branchée au trône de Dieu, même s'il y a quelqu'un qui est dans le monde des ténèbres, il ne peut rien faire. En effet, il faut kataza bapagano. Il faut interdire aux païens. Kama mtu ko mkanisa wapana kushimama nje sana unachunga misa ishi leo ataona leo. Unaezi kufua. Si tu es dehors en train d'attendre pour faire quelque chose contre l'église, tu peux même mourir. Au moins mloji njoa na yu. Seul le sorcier peut savoir cela. C'est lui qui est branché au trône de Dieu. Ne forme pas de mauvais complot contre cette personne. Dieu va commencer par te tuer. L'essence s'est changée en eau. Ce que nous voyons dans la magie, nous avons vu cela dans la réalité. Les grands nous ont grondés et nous ont dit, nous vous avons donné de l'essence. Et nous avons oublié, nous avons pris de l'eau. Nous avons pris maintenant des vikings d'essence. 3h du matin. Mais à 3h du matin, nous avons encore entouré l'église. Et j'ai pris le coton, j'ai trempé dans l'essence, j'ai mis. J'ai commencé à asperger. Ils étaient toujours en train de prier, personne ne sortait. Si quelqu'un avait seulement osé sortir, il devait même être fusillé. Ça, c'est un conseil que je veux donner à l'église. Surtout les mamans. Dans l'église. Après chaque minute, vous sortez. Même si on ne l'appelait pas, vous allez voir qu'elle sort seulement. Elle ne connaît pas la chose qui est en train de l'attirer pour qu'elle sorte. Et j'ai essayé encore d'allumer. Il y avait toujours un calme. Nous avons secoué l'essence, nous avons regardé par après, c'était de l'eau. Et ce marabout nous a demandé de rentrer. Il est Ce marabout est allé demander aux autorités. Il leur a dit, je vais faire 4 jours de jeûne, je vais me retirer encore dans le cimetière, et le 5e jour, je vais tuer ce pasteur là. Quoi? Il va faire un jeûne, il se retire dans le cimetière pour jeûner? Mes frères et sœurs, vous pouvez vous aussi ajouter à votre prière là, le jeûne. 3 jours de jeûne. Le 3e jour, la résurrection. Dieu va tout changer dans la vie. Dans votre vie, vous allez voir Dieu venir comme ça. Waouh! Et continuez toujours à prier. Parce que le diable, c'est un esprit, il ne met pas. Soyez toujours ferme après la prière. Ou même après avoir vaincu le diable dans ce combat. On ne sait plus le voir sur la puissance. Est-ce que ce pasteur avait un problème contre ce marabout-là? Je ne pense pas. Les sorciers combattent même quelqu'un qui n'a rien. Oh. Ce marabout a fait 4 jours dans le cimetière sans manger ni boire pour que ce pasteur puisse mourir.
Le pastorat, c'est une charge. C'est quelque chose que je n'aime pas tellement. Moi, j'aime des fois prêcher parce que si on vous donne la charge, je dois veiller sur toutes ces âmes ici. Les gens ont combien de démons? Il vient, papa, prie pour moi, je prie. Il est en train de se décharger. Et toi, tu es en train de prendre ces charges-là. Mais maintenant, si tu n'as pas Dieu, où est-ce que tu vas aller avec ces choses? Le cinquième jour, le marabout est sorti, il était transformé. Même son visage était transfiguré. Ce pasteur habitait au Bel Air sous l'avenue Tulipier. Et nous avons même fait des enquêtes pour connaître sa maison. À 2h du matin, nous sommes arrivés chez lui. Avec 12 despés. Avec 12 gardes civils. Et nous, nous étions à 4. Et nous avons entouré sa maison. Pour une seule personne. C'est physiquement et spirituellement qu'on est en train de... S'il voulait seulement s'échapper, on devait tirer sur lui. Et ce marabout a commencé des évocations. Et maintenant, il y avait des images dans la télévision. Nous avons vu ce pasteur était dans la télévision, il était à genoux en train de prier. Et nous, nous étions en train de faire des évocations. C'est pourquoi nous vous avons dit de vous mettre à genoux pour prier. Vous allez voir les effets d'une prière étant à genoux. Ah, hey! Écoutez bien cette partie-là. Là, 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 là. Vous allez voir la puissance de la prière, mes frères et sœurs, et vous allez croire en Dieu tout de suite. Je vous l'ai dit. Nous avons vu ce pasteur était dans la télévision, il était à genoux en train de prier. Et nous, nous étions en train de faire des évocations. Lui était en train de prier. Il était toujours en train de prier. Nous aussi, on faisait des évocations. Il a clôturé sa prière. Il a dit Amen. Quand il a dit Amen, la télévision avait tellement explosé. Et ce qui nous avait fait fuir, c'était comme un canon qu'on avait tiré. C'était les despes qui avaient d'abord fui les premiers. Et avaient cru que quelqu'un avait tiré. Et ce marabout s'était même brûlé. Et comme moi j'étais derrière lui, j'étais même touché. S'il n'y avait que les hommes, j'allais sortir ma chemise pour que vous puissiez voir la cicatrice. Les gens croient que nous, les gens charismatiques, des fois quand nous demandons le feu, c'est quelque chose d'insensé. C'est le premier jour que j'avais vu le feu. Les grands m'avaient donné de l'argent, même un congé, j'avais beaucoup souffert à cause de cette explosion. La Bible dit ceci. Vos ennemis viendront par un seul chemin, mais ils vont se disperser par sept. Chacun est parti de son côté. C'est le jour où j'ai cru que l'armée céleste existait. Et nous étions dispersés. Malgré que ce féticheur et son couple ont fait des jeûnes dans les cimetières, tout ça, une simple prière de quelques minutes les a déstabilisés parce que cette prière-là respectait certaines règles. Quand vous voulez prier, sanctifiez-vous. Mettez-vous même à genoux et priez en levant les mains vers le ciel. Ah là 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 là! Dieu va débloquer la situation à tous les coups et persévérer dans la prière jusqu'au bout, c'est très important. Les despés avaient fui parce qu'ils croyaient avoir affaire à un bruit de roquette, parce qu'ils étaient des soldats, ils savaient le bruit de toutes les armes. Mais moi, je me suis rendu dans le monde Armstrong pour savoir d'où venaient
cette explosion. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a accordé notre mission. Depuis 81 jusqu'en 1995, c'était la première fois que j'obtienne une mission du Dieu Lucifer. Enveloppe-moi. Là, il va rencontrer le diable. Le diable va lui donner directement une mission. Voilà. Le diable, quand il veut conduire les gens à la mort, c'est ce qu'il fait. Il veut vous visiter. Je te donne une mission. Mais Jésus, Seigneur, ça va aller. Donne ta vie à Dieu, Dieu va t'aider. Vous allez voir, c'est cette mission-là même qui va amener cet homme-là plus tard à retourner sur cet homme de Dieu-là pour faire quelque chose qui va vous étonner. Allons-y plus loin pour savoir plus ça. 81 jusqu'en 1995, c'était la première fois que j'obtienne une mission du Dieu Lucifer. Enveloppe-moi à Kaki Mukuletra Nanipachir. Il m'a donné une enveloppe à qui il y avait une lettre. Je devais seulement aller voir le même pasteur. Que tu lui donnes cette lettre. S'il touchait cela, il allait mourir. Et s'il ne mourait pas, il va m'appartenir. Je veux t'honorer. Le travail que tu fais, tu vas abandonner cela. Je vais te donner un autre travail. Et quand j'ai entendu la promotion, et on m'a demandé de ne pas ouvrir pour lire. C'est toi qui pourras mourir. Le lendemain, je me suis transformé. J'ai fait comme si j'étais un chrétien et je suis allé voir ce pasteur-là. Et j'ai demandé, on m'a accordé, je suis même entré dans sa maison. Il m'avait tellement bien accueilli et il m'a fait entrer dans sa maison. Et quand je me suis assis, avant de sortir la lettre, il m'a demandé de bénir le Seigneur. Et quand il a commencé à prier, c'était à 14h, j'avais un profond sommeil. Et il avait tellement prié, et quand il a arrêté avec la prière, j'étais totalement endormi. À 18h, je me suis réveillé. Je lui ai dit, je suis parti. Et il m'a dit que Dieu te bénisse et j'ai quitté sa maison. Et quand je suis arrivé au niveau du tunnel, j'ai remarqué que j'avais la lettre, je n'ai pas encore déposé cela, je suis rentré dans sa maison. Il m'a encore reçu avec toute joie. Et quand je me suis assis, quand je voulais sortir la lettre, il m'a dit encore, remercions le Seigneur. Et quand il a commencé à prier, je me suis encore endormi. Et je me suis réveillé à 23h. Et il m'a fait sortir de la maison, je suis parti. Et quand je voulais entrer dans la maison, et j'ai entendu une voix audible de Lucifer qui me dit, la femme, comme elle est enceinte, je veux prendre cet enfant pour que tu amènes cette lettre. C'est le règlement de la sorcellerie. Si tu échoues la mission, au moins que tu fasses un sacrifice pour que cela puisse terminer. Et je me suis endormi dans la maison. À 2h du matin, les sorciers sont descendus dans la maison pour que je leur donne le bébé. Et je dis, prenez. Et ma femme était enceinte, endormie. Ils sont venus, ils ont juste touché le ventre. J'ai vu comment le bébé sortait du ventre alors que la femme continuait à être enceinte. Avec quoi tu as vu? Et avec ses yeux spirituels. Ils ont déjà enlevé l'enfant là dans le ventre de la femme là. Et elle est enceinte, elle croit que bébé est là, il va sortir. Elle va même commencer à acheter quoi? Les vêtements même pour préparer l'arrivée du petit. Elle va acheter les berceaux, tout ce qu'il faut. Et lui aussi va venir. Chérie, tu vas acheter les vêtements pour l'enfant. Allons au marché pour les acheter. Tout. Et donne à notre enfant. Oh, il sera beau. Oh, il sait que l'enfant qui était au ventre là, il y a longtemps, il n'est plus là. Ils l'ont déjà enlevé dans le monde de la sorcière. Mais le sorcier, il fait ça toujours pour se cacher, pour ne pas qu'on découvre qui il est. Maintenant, quand l'enfant va naître, et puis l'enfant ne sera pas vivant là, il sera le premier à pleurer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Où est mon enfant? Oh, c'est lui-même là, qui est le sorcier là, même qui est là. Il sait ce qui s'est passé. Et la femme, elle ne sait pas.
elle ne saura jamais ça. Tant qu'un jour, Dieu ne te délivre pas. Hé, mes frères et sœurs, c'est ça la sorcellerie noire. Allons-y plus loin pour savoir plus. Et ma femme était enceinte, endormie. Ils sont venus, ils ont juste touché le ventre. J'ai vu comment le bébé sortait du ventre alors que la femme continuait à être enceinte. Et maintenant, dans le monde de la sorcellerie, quel est le règlement? Si tu présentes quelque chose, il faut que toi-même tu ailles présenter la chose. Il y avait une maman avec qui on ne s'entendait pas dans le monde de la sorcellerie. Et comme elle avait vu que c'était mon enfant, elle était tellement dans la joie, elle avait tellement dansé, c'est elle qui avait décapité la tête. Ils ont tué son enfant comme ça dans le monde de la sorcellerie parce qu'il a échoué à sa mission. Et moi j'étais contre ces choses-là. Et moi j'ai commencé aussi à la piéger dans le monde de la sorcellerie. Et ma femme avait donné naissance à un mort-né. Parce que l'enfant était déjà emporté depuis longtemps, ce qu'elle avait mis au monde c'était quelque chose d'autre. Et j'ai commencé à piéger cette maman dans la sorcellerie. Et un jour, elle est tombée dans le piège. C'était une deuxième femme au mariage. Et on lui a demandé qu'elle amène son mari demain après-midi, demain soir à 21h. Et c'est le tuer, le sacrifier. Et on lui a posé la question, qu'est-ce que ton mari préfère manger? Et mon mari aime souvent manger le matembele. Même s'il est rassasié, s'il y a le matembele, il mange correctement. Et vous aurez même pitié, c'était un petit garçon. Ah, là maintenant, il a piégé cette femme. Et cette femme-là maintenant doit amener elle aussi son mari. Et elle va plutôt choisir un garçon, son garçon. Il était en train d'amener ce garçon-là dans le monde de la sorcellerie. Et on a parcouru la loi. Nous nous avons demandé ton mari, le père de cet enfant. Toi, tu nous as amené cet enfant, nous n'avons pas besoin de cet enfant. Si quelqu'un refusait, qu'est-ce que nous allons faire? Et tous ont dit, il faut le tuer. Moi, j'étais le premier à sauter sur elle, je l'ai décapité. Il s'est vengé. Tu as tué son enfant. Lui aussi, il se venge. Sérieux? C'est qu'il n'a pas aimé ça. Qui peut aimer ça? C'est-à-dire que cet homme-là même là, lui-même là, il y avait déjà des signes même qui présentaient, qui montraient que tout allait accepter Dieu. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il se confesse. C'est pas étonnant. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et vous allez découvrir des choses, franchement, qui vont vous étonner. Et quand vous allez voir ça, vous allez dire, franchement, cet homme-là, vraiment, Dieu l'avait choisi depuis. Mais il fallait qu'il traverse tout ça d'abord. Et mes frères et sœurs, on ne dit plus pour savoir plus. Que va-t-il se passer? Écoutons-le, s'il vous plaît. Et tous ont dit, il faut le tuer. Moi, j'étais le premier à sauter sur elle, je l'ai décapité. Et le lendemain matin, ils ont constaté que la maman était aussi morte. Et le lendemain, les gens étaient tristes, croyant que la maman était morte à cause de la mort de son fils, alors que c'était quelque chose qui s'est passé dans le monde de la sorcellerie. Et le lendemain matin, on les a enterrés tous, et le fils et la maman. Amen. Amen. Et après cela, je suis rentré dans l'état physique. Nous avons fait un voyage, nous sommes rendus à Kasumbalesa. C'est là que est mort notre ami. Ça, c'est un problème politique. Je ne peux pas dire cela ici. Maintenant, après sa mort, c'est quelqu'un qui était au-dessus de nous tous. C'était quelqu'un qu'on était en train de suivre en termes de fétiche. Amen. Sa mort,
avait déstabilisé toute la Jufferie. Même le groupe Ninja que Ninja l'a formé. Même le groupe Ninja que lui-même avait formé. Il y avait vraiment un froid terrible. Il est comme morgue, ni kuna muangaria maiti yake kuna transpire. Et quand il était dans la mort, j'étais en train de regarder, son corps était en train de transpirer. Baba kanasema tukamupeleke kwa bokulwenu. Et son père, et je lui ai dit, excuse-moi, j'ai quelque chose que je dois te dire. Unayuaka sani kumubipande biwili. Sais-tu que je suis dans deux mondes? Niko kubumuntu na kubafu. Je suis un homme vivant et aussi dans le monde des morts. Depuis nilimoaka ashia shikaka mimi nasema mambo ya vile. Depuis que je l'avais prise en mariage, jamais je lui ai parlé de la sorte. Et elle a commencé à pleurer en me disant, il y a un problème. Et je lui ai dit, je veux entrer dans la chambre. Que tu prends un drap. Et j'ai pris la tunique de mon ami qui était prêtre. Et je lui ai demandé de m'enfermer avec ce drap là ainsi que le boubou que j'avais pris chez les prêtres, et je lui ai demandé d'allumer les bougies. Je lui ai dit, je ferai au moins 3 jours, même si je connaissais la putréfaction, ne viens pas ouvrir parce que je risque de mourir. Et la femme était en train de pleurer. Mais elle avait fait tout ce que je lui avais demandé. Voyage astral. J'ai fait le voyage astral. Le monde que nous avons. Mes frères et sœurs, c'est quoi un voyage astral? Un voyage astral, c'est un voyage qui s'effectue lorsqu'une personne sort de son corps. Ça va être, en fait, vous êtes couché, vous dormez profondément. Et quand vous dormez profondément là, il ne s'agit pas par des prières mystiques. En tout cas, ce sont les sorciers qui savent ça. Et eux font sortir leur esprit de leur corps ou leur âme. Et ils vont dans un autre monde. Pendant qu'ils sont couchés, pendant 3 jours, un démon va habiter en eux pour maintenir leur corps en vie. Mais après ces 3 jours, ils ne pourront plus revenir ou encore entrer dans leur corps parce que le temps est écoulé. C'est ça un voyage astral. Et cet homme va sortir de son corps pour aller dans un autre monde. Parce que dans ce monde, il n'y a pas que la Terre seulement. Il y a plusieurs mondes. On a entendu parler du monde de Pandémignon. Et là, cet homme va aller dans un autre monde. Et ce qu'il va voir, il va tout nous expliquer ici. Et ce qu'il a vu là est tellement horrible que lui-même, souvent, quand il veut s'amuser à pécher, il réfléchit à 2 fois par rapport à ce qu'il a vu. Mes frères et sœurs, ouvrez grandement les yeux et les oreilles. Écoutez bien. Nous allons écouter ensemble ce qui va se passer. Ok, c'est parti. Écoutons-le. C'est parti. Let's go. Et je lui ai demandé de m'enfermer avec ce drap-là ainsi que le boubou que j'avais pris chez les prêtres. Et je lui ai demandé d'allumer les bougies. Je lui ai dit, je ferai au moins 3 jours. Même si je connaissais la putréfaction, ne viens pas ouvrir parce que je risque de mourir. La putréfaction, c'est tout simplement c'est-à-dire la décomposition du corps. Ton corps se décompose. C'est ce qu'on appelle la putréfaction. Comme quelqu'un est mort plusieurs années, son corps est décomposé, il y a même des insectes à l'intérieur, voilà. Et la femme était en train de pleurer. Mais elle avait fait tout ce que je lui avais demandé. Et sa femme pleurait parce qu'elle ne savait même pas ce qui se passait, elle ne sait même pas ce qui ne va pas avec son mari. C'est normal, elle aime son mari. Elle veut savoir ce qui ne va pas, elle ne peut pas tout lui dire. Elle est triste, elle pleure. Mais elle doit obéir à ce que son mari lui demande de faire. Ça, c'est une bonne femme. Mes soeurs, faites de même. C'est très important. Une femme doit être une femme de valeur. Et on a besoin des femmes de confiance. Est-ce que vous comprenez? Oui. Allez-y plus là, vous allez comprendre pourquoi. M'enfermer avec ce drap-là ainsi que le boubou que j'avais pris chez les prêtres. Et je lui ai demandé d'allumer les bougies. Je lui ai dit, je ferai au moins 3 jours, même si je connaissais
la putréfaction, ne viens pas ouvrir parce que je risque de mourir. Et la femme était en train de pleurer. Mais elle avait fait tout ce que je lui avais demandé. Voyage astral. J'ai fait le voyage astral. Le monde que nous avons et le séjour de mort, il y a une grande distance. Si quelqu'un meurt, quand il quitte son corps pour aller à son lieu, tu n'auras même pas la joie d'être né un jour. C'est pourquoi Job 14, premier verset, Job dit ceci. Un homme qui est né d'une femme, sa vie est tellement courte. Sa vie est tellement courte. Je ne sais pas pourquoi Job avait parlé de la sorte. Un homme qui est né d'une femme, sa vie est tellement courte. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Le problème, c'est qu'on ne sait même pas quand on va perdre la vie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne va pas dépasser 120 ans. 120 ans, 120 années là. Est-ce que c'est beaucoup? Ça, ce n'est rien. Entre nous, ce n'est rien. Sa vie est tellement courte. Je ne sais pas pourquoi Job avait parlé de la sorte. Un homme qui est né d'une femme, sa vie est tellement courte. Je ne sais pas pourquoi Job avait parlé de la sorte. Et mon problème, c'était d'aller vérifier où était mon ami qui était en train de le frapper. J'allais dans le monde astral, ce qu'on appelle dans la Bible le séjour des morts. J'étais arrivé là, mais je ne te parlerai pas de toutes les procédures parce que ça prendra beaucoup de temps. Il dit qu'il se rend directement dans le séjour des morts. Autrement dit, où vont les morts? Ceux qui sont décédés, où sont-ils allés? Qu'est-ce qu'il va voir là-bas? C'est comme si quelqu'un va dire qu'il se rendait à l'enfer. Aïe, 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 aïe. Ce qu'il va voir là-bas, hey, c'est grave, mes frères et sœurs. Écoutons-le, s'il vous plaît. Depuis que j'entrais dans tous les mondes, c'est le monde qui est le plus terrible. Il dit c'est le monde le plus terrible. Pourquoi? C'est le monde le plus terrible. Et pour moi, Paul, je me dis, c'est ça un fouet qui me remet dans les choses de Dieu. Si je veux seulement blaguer avec les choses de Dieu, quand je repasse le film, je me corrige directement. Il dit que quand il se souvient de ça, franchement, il fait tout pour ne plus pécher. Il sort même du péché carrément, systématiquement. Aujourd'hui, peut-être que tu ne pourras pas accepter, mais fais un effort de mourir dans le Seigneur. Parce que si quelqu'un mourait dans le Seigneur, il est dans un lieu de repos. Quand tu veux rendre l'âme, il y a deux camps qui viennent. Il y a les archanges de Dieu ainsi que les anges déchus qui sont en train de se cafouiller ton âme. Et quand je suis entré à l'intérieur, il y a tellement de ténèbres que je ne pouvais pas voir. Et j'entendais les bruits des coups. Comme s'il se trouvait à l'enfer. Église, il faut tellement craindre le Seigneur. Il dit qu'il faut tellement craindre le Seigneur. Regardez comment il a parlé, écoutez encore. Des ténèbres que je ne pouvais pas voir. Et j'entendais les bruits des coups. Église, il faut tellement craindre le Seigneur. Il faut tellement craindre le Seigneur. Le péché, c'est dangereux. Le sexe, là, c'est doux. Mais il faut laisser ça quand vous n'êtes pas marié. Il faut tellement craindre Dieu, mes frères et sœurs. Hey, ce monde-là existe, mes frères et sœurs. C'est l'enfer. Écoutez-le. La première personne que j'avais vue, vous avez déjà interrompu. Ouvre maintenant. La première personne que j'avais vue, cet artiste musicien qui avait fait tellement de succès,
Franco Luambo Makiadi. C'était quelqu'un de la Maïkari. Toutes ces années avec lesquelles il a fait le succès, c'est ce qu'il est en train de payer. C'est-à-dire, il a commencé à voir là-bas tout ce qu'ont vendu leurs âmes au diable. Sur son épaule, il y avait le pied de quelqu'un qui était posé sur son épaule. Il y avait au moins cinq esprits qui étaient en train de le torturer. Il avait même les yeux troués pour qu'il récupère toutes les années qu'il avait de succès. Oh, les démons qui lui ont donné son, succès là, ce sont les mêmes qui sont en train de faire quoi? Le frapper là-bas matin, midi, soir, au point où un de ses yeux est cassé. Aujourd'hui, tu ne vas pas croire. Oh, le rendez-vous à la mort. Quand tu vas rendre l'âme, tu verras même les archanges du diable, mais comme tu es de Dieu, tu vas aller du côté de Dieu. Et la deuxième personne, c'était un grand qui était mort, le représentant d'une église. Cette église où on fait ceci. Amen. Amen. Celui-là était mort en 1989. Et ils avaient tellement pleuré et le pays avait bougé. Et je me suis posé la question, même cet homme de Dieu, il a vu un homme de Dieu, un prêtre, là-bas, et lui, il est étonné. Lucifer lui avait donné une mission de faire disparaître les Bibles Louis II et les Bibles où il y a 66 livres et d'introduire les Bibles où il y a des Maccabées ainsi de suite. Comme il avait échoué à sa mission, il devait être torturé pour cela. Il était à un endroit où il avait une sorte de marteau, il était en train de briser les rocs. Et la dernière personne que j'avais vue, c'était mon ami. Il était enchaîné tout le corps. Et au niveau de la bouche, il y avait un cadena. Comment est-ce que je pouvais parler avec lui? Il était tellement en train de se tordre, il était impossible qu'il puisse parler, on était en train de le torturer. Et quand j'ai vu cela, j'ai eu tellement mal, je me suis dit, Lucifer n'est pas reconnaissant. Hein? À cause de tout ce travail que ce type a fait, mais il est en train de le torturer de la sorte. Malgré tout ce travail que son ami a fait pour le diable, franchement, ne lui a pas donné une bonne place là-bas. Et ils sont en train encore de le torturer. Ça veut dire que tous les sorciers qui meurent, ils vont dans les problèmes là-bas. Et c'est la vérité, il est en train de dire. Là, il est en train de voir l'enfer et tout ce qui se passe là-bas. Écoutez-le, il dit c'est le séjour des morts. Et quand j'ai vu cela, j'ai eu tellement mal, je me suis dit, Lucifer n'est pas reconnaissant. À cause de tout ce travail que ce type a fait, mais il est en train de le torturer de la sorte. Alors je suis rentré. Après ce voyage, il va maintenant entrer chez lui. Et quand j'ai quitté ce monde-là, C'est pourquoi je conclus que celles qui aiment vraiment, ce sont les femmes. Ma femme avait tellement supporté. J'ai fait 5 jours, je connaissais déjà la putréfaction. Quand je suis rentré, elle était en train de supporter tout cela.
Comment il a su que sa femme c'est une bonne femme? C'est par rapport à ce qu'il a dit. Une femme qui va te supporter dans tes soucis là. Hey, c'est la bonne. Et je lui ai donné tout ce que j'avais comme arme, tout ce que j'avais comme menottes. Je lui ai dit, j'ai abandonné mon travail, va remettre cela. Et il a dit à sa femme d'aller remettre tout ça à ses vieux, à ses anciens patrons. Pourquoi lui n'était pas parti? En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Il a confiance à sa femme. Sa femme, c'est comme c'est lui. Rappelez-vous dans la première partie, je vous avais dit qu'on avait sucé le sang d'une personne. Et si tu déclares que tu abandonnes, tu seras troublé. Il a tout de dire que quand vous décidez d'abandonner le diable, ça, soit vous devenez fou, ou vous êtes troublé, ou vous mourrez. Et c'est ce qui va se passer à ce niveau. C'est là que nous voulons attirer votre attention. Écoutez bien encore. Écoutez bien. Hey. J'ai abandonné ces choses. Et après quelques jours, ma femme a mis au monde. C'était la première fois qu'on avait un bébé. On avait fait une grande fête. Et quand j'avais déjà abandonné le travail, après 3 mois, j'étais dans le centre-ville en train de faire un tour. Et ma femme était en train de lessiver les couches du bébé. Et quand elle est rentrée dans la maison, elle avait vu que le bébé avait poussé une queue, il avait aussi des poils, il était devenu comme un animal. C'était le docteur Mulunda qui avait fait cette opération. Quoi? Le bébé que cette fois il a mis au monde là, hey, avait une queue d'un animal. Parce que lui, c'était un sorcier. Et un sorcier qui avait la sorcellerie dans le sang. Et il avait fait trop de choses bizarres. Il a fait trop le sale. Regardez le témoin puissant précédent. Il n'a pas, il raconte tout. Il s'est transformé. Il est devenu invisible. Il s'est transformé en squelette. Il est transformé en tecipe. Il a fait tout ce qui est mauvais. Et le résultat est que quand il donne un enfant, il met un enfant moins. Ça donne ça. Au niveau de l'hôpital, c'est on avait même placé la photo. C'est moi qui avais retiré cette photo-là. Tout le quartier s'est amassé vers la maison. La queue d'un animal. Il y avait une telle bagarre entre ma famille et celle de ma femme. C'est là qu'il y avait même le divorce. On avait fait 11 mois au moins dans l'hôpital. Après ces 11 mois, on a coupé cette queue. Quelques mois après, une autre queue a poussé. L'enfant était devenu comme un singe. What? Et maintenant, au niveau du quartier, les gens avaient peur de moi. Et cette histoire s'est tellement répandue dans toute la commune de la Kenya et ma femme avait tellement mal. Et elle est partie chez elle, moi je me suis rendu à la Roachie. J'étais au niveau de la barrière en train de regarder les gens qui passaient. Et j'étais au niveau de la Roachi en train de regarder les passants. J'ai vu quelqu'un qui avait connu d'un côté une putréfaction. Alors j'avais tellement peur. Quand j'ai commencé à fouiller, la personne était dans la maison. Elle m'a dit, tu m'as tellement servi qu'aujourd'hui j'ai besoin de mon argent. Alors j'ai fouillé de la commune de la Roachi jusqu'à la Kenya. Et quand je suis arrivé à la maison, tout avait brûlé sauf le sac où il y avait des fétiches. Ça veut dire que les démons qui l'ont servi,
Les démons qui l'ont aidé ou encore qui lui ont donné ce pouvoir mystique là ont commencé à se venger. Hein? Hey! Que va-t-il se passer après? C'est là les choses sérieuses commencent. Comment va-t-il briser la ligne de la sorcellerie ou encore de la prison de la sorcellerie? Aïe 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 aïe. C'est là les choses sérieuses commencent. Écoutons-le, ça va être chaud. C'est parti. Et j'ai pris ce sac et je me suis rendu chez nous à la maison. Et comme j'avais maintenant abandonné le travail, et mon patron avait envoyé le groupe de mes amis pour qu'ils puissent me frapper. J'étais tellement frappé jusqu'à ce que je me suis retrouvé au niveau de l'hôpital de Moscou. Ça veut dire que son patron qui l'a servi pendant longtemps, il a même assisté à des cérémonies où il a dit, même dans la vidéo précédente, vous pouvez découvrir cela. Il a dit qu'un jour, il est allé à une cérémonie et que son patron lui a donné sa lunette. Il a pu voir, une tête d'homme dans une nourriture, tout ça. Regardez la vidéo précédente pour en savoir plus. Il y a une tête d'homme dans un plat. Vous allez découvrir ce qui s'est passé. Il s'agissait de son patron là. Son patron l'envoyait des gens pour le frapper. Tout ça pour le menacer, pour qu'il revienne, sinon ils vont le tuer. Mais que va-t-il se passer? Écoutons-le, s'il vous plaît. J'ai fait 7 mois dans l'hôpital. Et on m'a caché dans la salle d'opération parce que ce chef-là me poursuivait pour même corrompre des médecins pour qu'ils puissent me piquer afin que je puisse mourir. Celui qui m'avait fait sortir de ces lieux-là, c'est un ancien gouverneur qu'on appelait Tade Ilunga. Amen. Amen. C'est ce papa-là qui m'a fait sortir de ces lieux-là. Il m'a donné $800 me demandant de quitter la ville de Lubumbashi parce que cette personne s'était tellement engagée pour me tuer. Là, Dieu a touché quelqu'un pour l'aider à s'enfuir. Qui vous a dit que cet homme-là, franchement, Dieu l'avait choisi? Sinon, ça n'allait pas se passer ainsi. Il était sorcier. Il ne connaissait même pas le nom de Dieu. Il a combattu l'église de Dieu. Mais l'amour de Dieu est tellement grand que Dieu même a tenté de susciter des gens pour l'aider, pour ne même pas qu'il meure. Ah! Franchement, Jésus est fort, il est bon. L'amour de Dieu surpasse tout vraiment. Mes frères et sœurs, ayons l'amour du prochain aussi. Que l'amour en nous se développe, s'il vous plaît. Que nous aimons nos ennemis. C'est important aussi. Prions pour eux. Regardez ce qui se passe. Regardez vous-même encore. Écoutez. Et j'ai pris mon sac où il y avait des fétiches. J'ai fait un voyage vers Kilwa. Et j'ai pris ce sac-là. Nous allions vers une île qu'on appelle Ankole. J'ai jeté ce sac-là sous la rivière. Et au retour, je suis rentré à la maison me disant que j'ai tout jeté. Et le soir, la nuit, vers 2h du matin, j'étais endormi. La dame là, Hélène Elvira, elle est venue avec ce sac où il y avait des fétiches. Elle m'a remis cela et me dit, ne jette pas cela. Et ce chef envoyait toujours des gens pour me chercher. Donc ce sac de fétiche là, son sac de fétiche qu'il a jeté là, cette femme, cette démon là encore, est venue lui redonner ce sac. Et je suis encore en train de m'embâcher. Et la nuit quand je m'endormais, aux environs de 22h30, les esprits du monde Armstrong Ces esprits qui venaient du monde Armstrong me flagellaient tellement, ils me prenaient et me mettaient sur la route Kasumbalesa avec une hache. Je veux tellement couper des arbres. Quand je me fatiguais, ils continuaient à me flageller. Et quand je me réveillais le matin, j'étais tellement fatigué. Il dit que quand il s'endort, il voit dans ses rêves ou encore en songe des esprits qui le servait avant, qu'on commençait à le frapper. Vous voyez comment c'est difficile pour les sorciers. Quand ils décident de sortir,
C'est-à-dire, là, ils commencent à payer et Dieu a besoin de venir à leur secours. Mais qu'est-ce qui va se passer avec cet homme? Va-t-il invoquer Dieu? Parce qu'il doit forcément invoquer Dieu d'abord avant que Dieu ne descende. Aïe, 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 le salut est personnel et c'est de votre bouche que vous allez confesser que Jésus est Seigneur avant qu'il arrive. Hein? Sinon, il sera tranquille à vous regarder. Faites attention. Et la nuit, je ne parvenais pas à dormir parce que les sorciers et les esprits du monde Armstrong me tourmentaient. Toute l'année 96, je l'ai passé dans cet état-là. Pardon, année 95. Alors, je connaissais vraiment une régression dans la santé, les cheveux tombaient ainsi de suite. Alors, les gens de ma famille ont cru que j'avais contracté le sida. C'est alors qu'ils ont fait une délégation pour aller voir mon chef. Ils ont fait des tests, j'étais en bonne santé. Et mon chef leur a dit ceci, demandez-lui de rentrer, s'il refuse, il va mourir. Oh. Et moi, comme j'avais vu mon ami au séjour des morts, j'ai dit, je ne rentrerai pas. Et même la nuit, il ne dormait pas. C'était tout un peloton de démons qui venaient pour me flageller. Il y avait des boutons qui sortaient des pubs. J'ai dégagé une telle odeur qu'il était impossible de manger avec les frères, avec mes frères. C'était même impossible d'habiter la même maison. J'habitais loin maintenant de ma famille. Décembre 95. En décembre 95, j'ai commencé à penser, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Une idée m'est venue. Parce que la nuit, il était impossible de dormir parce que ces esprits venaient. Parce que les années où on t'a servi étaient nombreuses, alors tu dois aussi nous servir. Je me suis rappelé. Je me suis rendu sur Tulipier dans la maison du pasteur. Et je suis arrivé dehors, je me suis assis. 22h30. J'étais en dehors de la maison, ces esprits venaient. Quand ils sont arrivés à 100 mètres de la maison, ils se sont arrêtés. Ils ont commencé à me dire, viens maintenant ici. Ah! Ils ne peuvent plus l'approcher parce qu'il est dans la gloire de Dieu à cause de la présence de Dieu dans la maison ou même à proximité de la maison de cet homme de Dieu. C'est-à-dire la présence de Dieu a couvert la maison de cet homme de Dieu. C'est ça la puissance qu'a le vrai chrétien qui craint Dieu. Ils ont fait le tour. Ils me demandaient de m'approcher pour venir vers eux. Et moi, je n'ai pas quitté ces lieux-là. Et ils attendaient toujours là-bas. Et à 4h du matin, ils se sont dispersés. Je suis allé faire un tour et le lendemain, à 15h, j'étais toujours au même endroit. Si vous lisez Josué chapitre 20, Dieu avait dit ceci à Josué. Tu vas construire 6 villes de refuge. Si quelqu'un commettait un meurtre, s'il fuyait dans cette ville, il ne sera pas poursuivi à cause de ce sang-là. Aujourd'hui, la ville de refuge, c'est Jésus de Nazareth. La vie de Jésus refuge, c'est Jésus de Nazareth. Dès que vous avez des problèmes, invoquez Jésus, le Seigneur Christ et il viendra. Vous allez voir ici un bel exemple. Lui-même sera là. Lui-même va vous dire, écoutez bien seulement. Écoutez, écoutons ensemble. Si quelqu'un commettait un meurtre, s'il fuyait dans cette ville, il ne sera pas poursuivi à cause de ce sang-là. Aujourd'hui, la ville de refuge, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Ce n'était pas le jour où j'ai cru. La gloire qu'accompagnait ce serviteur de Dieu là, il était difficile qu'une mauvaise chose s'approche de son rayon. Même toi qui pries, c'est de la même manière que ta maison se présente. Alors les gens ne découvrent pas ce qu'ils sont réellement.
C'est le sorcier qui connaît la valeur de la personne qui prie. Mais la personne qui prie ne connaît pas sa propre valeur. Il est en train de crier à Dieu alors que Dieu l'a d'abord mis dans une forte forteresse. Deux semaines. J'allais toujours dormir au même endroit. Ce pasteur-là ne connaissait même pas ce qui se passait. Et j'ai commencé à voir que la force me réveillait. Une idée m'est venue pour dire ceci. Faraja qui m'avait initié à la sorcellerie se trouve à Likasi. Que je fasse un voyage pour lui remettre le sac au niveau de Likasi. Faraja, c'est tout simplement, si vous avez bien suivi le témoignage puissant précédent, c'est tout simplement son ami de classe, son voisin de classe qui n'écrivait jamais en classe là. Oui, c'est lui Faraja. Puisque c'est lui qui l'a initié à la sorcellerie, il veut aller le chercher pour voir si ce dernier peut l'aider à se débarrasser de ses problèmes. Une idée m'est venue pour dire ceci. Faraja qui m'avait initié à la sorcellerie se trouve à Likasi. Que je fasse un voyage pour lui remettre le sac au niveau de Likasi. Là, je n'avais pas encore d'enfant. Et tous les enfants mouraient. Et j'ai pris le sac. Et j'ai fait 3 jours de Lubumbashi jusqu'à Likasi. Et qui allait accepter que je monte dans un véhicule? Et quand je suis arrivé à la cité Kikula, et c'est alors qu'on venait de l'enterrement de Faraja qui venait de mourir. On nous dit que son ami, ce qui comptait là, qui lui a lui-même donné la sorcellerie à l'école, qui a même invoqué un démon dans la salle de classe, qui a même transformé le tableau noir en tableau rouge là, c'est lui qui est décédé. Il est décédé. Ah! Ah! Que va-t-il faire maintenant? Là, c'est l'enfer, il est en train de vivre maintenant. Les choses se compliquent. On a depuis là pour voir si au bout de ces complications ou de ces difficultés-là, Dieu interviendra. Merci beaucoup. Allons-y plus loin. C'était que je monte dans un véhicule. Kikula. Et quand je suis arrivé à la cité Kikula, et c'est alors qu'on venait de l'enterrement de Faraja qui venait de mourir. Et on avait dit qu'il avait contracté la folie et il est mort. Il est mort de folie même. On vous a dit que le sorcier là, quand il décide de quitter le monde, soit il devient fou, ou il meurt. De toutes les façons, la folie là, ça le conduira tout tard à la mort. Écoutez encore. Et c'est alors qu'on venait de l'enterrement de Faraja qui venait de mourir. Et on avait dit qu'il avait contracté la folie et il est mort. Et maintenant, qu'est-ce que j'allais faire? La même nuit, quand je suis arrivé à Likasi, j'ai croisé un des personnes que mon chef avait envoyé et il m'a dit ceci: j'ai pitié de toi, sinon j'allais te tuer, mais fais un effort de quitter la ville de Likasi. Alors une idée m'est venue pour me dire que j'aille au niveau de Manono et déposer certains fétiches là-bas. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a rencontré quelqu'un avec qui son patron, son ancien patron, qui vient de laisser là, qu'il a abandonné là, qui le cherche là, il a trouvé un de ses agents qui était venu spécialement pour le tuer. Mais lui, il s'est souvenu que c'était son ami et il lui a dit: franchement, fais tout pour t'évader, fais tout pour quitter le lieu parce que il y a quelqu'un qui cherche à te tuer. Et lui, il va chercher à entrer dans une autre dimension, aller dans un autre lieu.
Ah, regardez sa fin. Là, c'est il est en train de souffrir maintenant. Allons-y pour voir si Dieu va intervenir jusqu'à là. Tiens de toi, sinon j'allais te tuer. Mais fais un effort de quitter la ville de Likasi. Alors, un des personnes que mon chef avait envoyé, et il m'a dit ceci: j'ai pitié de toi, sinon j'allais te tuer. Mais fais un effort de quitter la ville de Likasi. Alors, une idée m'est venue pour me dire que j'aille au niveau de Manono et déposer certains fétiches là-bas. Et quand je suis arrivé au niveau de Luambo la nuit, ces esprits sont venus. Ils ont commencé encore à me flageller. Ils m'ont tellement flagellé. Les personnes qui transportaient le charbon de Luambo jusqu'à Likasi voyaient comment j'étais tourmenté, mais ils ne voyaient pas les personnes qui me flagellaient. Le matin, j'ai eu des gonflements terribles. Et j'ai constaté que les gens qui venaient devant moi fuyaient. Même s'ils étaient sur un vélo, ils pouvaient fuir parce que je ne savais pas ce qui m'était arrivé. J'avais toujours le même sac. Et je suis arrivé à 18 km de Bunkeya. Là on appelle à Kalwanzo, il y a une rivière ainsi que de longs arbres. Et je me suis dit, je n'arriverai jamais à Manono. Si j'arrive à Lubumbashi, on va me tuer. Et j'ai porté le sac au dos. Et j'ai commencé à escalader un arbre. Je me suis dit que je monte seulement que je tombe. Et quand je suis arrivé au sommet de l'arbre, au lieu de me suicider, un esprit m'est venu et je me suis dit, si je mourais, je vais mourir comme buffalo. Alors je suis descendu de l'arbre. Il a boité sur la vie, il cherche à se suicider. Il cherche à perdre la vie maintenant. Il cherche à se vaincre. Il cherche tout le moins qu'il faut pour perdre la vie. Hein? Écoutez. Au lieu de me suicider, un esprit m'est venu et je me suis dit, si je mourais, je vais mourir comme buffalo. Alors, je suis descendu de l'arbre. Et j'ai accéléré un peu. À 15 heures, j'étais déjà au niveau de Bunkeya. Et j'ai demandé aux gens du village, montrez-moi le chef du village qui me donne un véhicule pour qu'on m'amène jusqu'à Manono. Et ils m'ont au lieu de me montrer chez les chefs, ils m'ont montré sur une petite colline où il y a une petite case où on fait des cérémonies le 20 décembre pour le chef. Cette petite montagne est à 2 km du village et tout le reste c'est la forêt. Et j'ai commencé à me rendre vers cette petite montagne là. Et quand j'ai atteint la forêt, j'ai vu comme quelque chose de noir est passé devant moi. J'avais tellement du vertige. Et j'ai senti que j'étais pris en extase. Je me suis retrouvé dans le monde Armstrong. Et je me suis posé la question. Je suis arrivé ici. Et l'intelligence humaine me dit ceci. Il dit qu'à un moment donné là, il a commencé à dormir. Du coup, il s'est retrouvé dans un autre monde. Et il se pose la question devant, mais qu'est-ce que je cherche ici? Et les démons sont encore là. Ah! J'avais tellement du vertige. Et j'ai senti que j'étais pris en extase. Je me suis retrouvé dans le monde Armstrong. Et je me suis posé la question. Je suis arrivé ici. Et l'intelligence humaine me dit ceci. Et face à face avec ce maître, il m'a dit ceci: j'étais tellement honoré. Tu étais mon prince. Je t'ai donné la pierre cristal. Mais tu as refusé cela. Et nous te bloquons, tu vas nous servir aussi. Commencez 81. Jusqu'à en ce jour, toi aussi tu es bloqué. Et il m'a
Et il a donné un ordre, on m'a bloqué, je voyais comme si c'était un rêve. Ils ont commencé à me flageller. Ils m'ont tellement flagellé que j'étais fatigué. Comme j'avais la chair et le sang, eux cherchaient à garder seulement mon âme. Ils ont libéré l'esprit de mort pour qu'il vienne me tuer afin que l'âme soit dégagée. Ah, les démons qui ont commencé à le frapper là, il dit ils ont libéré l'esprit de mort pour venir l'achever. Hey, quand les sorciers sont derrière vous et qu'ils cherchent à vous tuer, à un moment donné, ils vont libérer l'esprit de mort pour que ces démons viennent pour vous achever. L'esprit de mort là, c'est quoi? C'est l'ange de la mort. Si vous ne savez pas qui c'est là, regardez bien sur l'écran devant vous. Regardez bien où il est. Il est ici. C'est lui. Regardez-le bien. C'est lui, cet ange de la mort là, qu'ils ont libéré, qui est venu maintenant, qui a commencé à courir ou s'envoler. Je ne sais pas comment vous le dire, mais ça risque de mal tourner. Et que va-t-il se passer? Là, franchement, c'est proche, c'est la fin. Hey, que va-t-il faire? Que va-t-il dire? Qui va-t-il appeler à son secours? Est-ce qu'il va appeler le diable ou Jésus? Les scènes, mes frères et sœurs, c'est là que vous allez voir que Dieu il est bon. Dieu il a amour. Et il aime tout le monde. Écoutez-le, s'il vous plaît. Mes frères et soeurs, c'est chaud. Réveillez-vous parce que la chose commence maintenant. C'est parti. Ils m'ont tellement flagellé que j'étais fatigué. Comme j'avais la chair et le sang, eux cherchaient à garder seulement mon âme. Ils ont libéré l'esprit de mort pour qu'il vienne me tuer afin que l'âme soit dégagée. Pendant que l'esprit de mort venait, il venait près de moi avec une hache pour me décapiter. Mais il est ma couille à ma fille, mon mine sentir baranza qu'on y pique, qu'on angara, qu'on m'congo, n'angare le fashioniko, n'y qu'on y mouboum, qui a mine sa peut-être ni mawazo. Mawazo, mais n'y qu'on a chikia, il est ma douleur. Et quand cet esprit est venu vers moi, j'ai crié comme tout le monde, Jésus vient m'aider. Alors je me suis retrouvé au niveau de bunker. Mais les effets de ce fouet-là, je le sentais. J'ai cru que j'étais en train de rêver. Moi, j'ai crié comme tout le monde, Jésus vient m'aider. Alors je mouboum, qui a mine sa peut-être ni mawazo. Et quand cet esprit est venu vers moi, j'ai crié comme tout le monde, Jésus vient m'aider. Alors je me suis retrouvé au niveau de bunker. Mais les effets de ce fouet-là, je le sentais. J'ai cru que j'étais en train de rêver. Il dit, quand ce démon qui est là, venait maintenant vers lui, il a vu que c'était fini pour lui. Il a crié, Jésus, viens m'aider. Il a crié comme tout le monde. Il veut dire comme les vrais chrétiens, les chrétiens, pour invoquer Jésus. Et automatiquement, ça a eu des effets. Il a quitté l'autre monde et s'est retrouvé dans le monde physique. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va continuer son chemin. Écoutez-le encore. Vers moi, j'ai crié comme tout le monde, Jésus vient m'aider. Et quand cet esprit est venu vers moi, j'ai crié comme tout le monde, Jésus vient m'aider. Alors je me suis retrouvé au niveau de bunker. Mais les effets de ce fouet-là, je le sentais. J'ai cru que j'étais en train de rêver. Et j'ai continué encore à marcher. Avant d'arriver à cette montagne-là, on m'a encore pris en extase pour la deuxième fois. On m'a encore flagellé, on m'a enfermé au même poteau. Toi, tu n'écoutes pas notre problème. Nous voulons que tu nous serves conformément à toutes ces années dont on t'a servi. Ça veut dire que les démons sont revenus encore. On a commencé encore à me flageller. On m'a tellement flagellé. Et à la fin, on a encore libéré cet esprit-là. Et ils ont encore libéré l'esprit de moi qui est là.
pour venir le décapiter encore. Il venait maintenant en vitesse avec une hache. Et quand j'ai crié encore Jésus, sauve-moi, je suis tombé. Je rêve quoi? Mais c'est un sorcier, non? C'était satanisme. Il a même le fétiche sur lui. Pourquoi il appelle Jésus et puis ça marche? C'est parce que Dieu l'a choisi depuis longtemps. Et la puissance du nom de Dieu, franchement, ça a des effets. Il s'appelle Jésus. Mais mon frère, si tu ne faut pas croire, mais si tu es en danger comme lui là, crie comme tout le monde. Jésus, viens m'aider. Il va venir. Il est tombé une deuxième fois, mes frères et sœurs. Et que va-t-il se passer encore? Hey! En vitesse avec une hache. Et quand j'ai crié encore Jésus, sauve-moi, je suis tombé. Et j'ai regardé. Et je me suis dit, je vais maintenant commencer à citer le nom de Jésus. Et quand je me suis retourné, je ne suis plus parti là-bas. Je ris, parce qu'il y a un nom qui a décidé d'être un nom. C'est le nom de Jésus, mes frères et sœurs. Il a crié une fois, Jésus, viens m'aider, comme tout le monde, comme tous les chrétiens. Ça a marché. La deuxième fois, ça a marché encore. Et cette fois, il a dit, ah, Aouli, ah, mon frère, Asso, mon gars, Jésus est mieux. Hein. Et il va commencer à crier Jésus maintenant. Jusqu'à ma langue va. Tant que mon lupin crie, il y a la voix, il y a le souffle en moi. Je vais appeler Jésus au secours. Ah! Écoutez-le encore, c'est trop chic. Oui. Ça, c'est la fin de son témoignage. C'est le dernier chapitre. Et ici, il est tenté de nous révéler la puissance du nom de Jésus-Christ. Jésus a secouru un sorcier des démons de l'enfer. What? Écoutons-le encore. Et quand j'ai crié encore Jésus, sauve-moi, je suis tombé. Et j'ai regardé. Et je me suis dit, je vais maintenant commencer à citer le nom de Jésus. Et quand je me suis retourné, je ne suis plus parti là-bas. Maintenant, j'ai commencé à crier le nom de Jésus jusqu'à ce que j'ai quitté le village. Il a commencé à faire ça comme une chanson. Jésus veut m'aider. Jésus veut m'aider. Jésus veut m'aider. Jésus veut m'aider jusqu'à ce qu'il quitte ce lieu-là, quitte le village et qu'il se retrouve où? Écoutez-le, vous allez savoir où il va se retrouver. Écoutez. Let's go! Et quand j'ai atteint le village, tout le monde croyait que j'étais un fou. On s'en fout. Si tu veux, il faut penser que je suis un fou. Mais ce que je sais, c'est que le nom de Jésus est dans ma bouche et c'est lui qui est en train de me sauver en ce moment même. Écoutez-le encore. Non, j'ai commencé à crier le nom de Jésus jusqu'à ce que j'ai quitté le village. Oh. Et quand j'ai atteint le village, tout le monde croyait que j'étais un fou. J'ai crié seulement Jésus, je suis mort. Je suis même entré dans une église où j'ai trouvé le pasteur en train de prêcher. J'étais toujours en train de crier, Jésus, aide-moi. 19h30, et à 19h, le culte avait pris fin. Le pasteur a commencé à me poser ma question. Et le pasteur a commencé à me poser des questions avec mon sac. Ça veut dire qu'il est entré dans cette église avec son sac de fétiches. J'ai commencé à parler jusqu'à 2h30. De 19h à 2h30, il a commencé à se confesser. Et tous les anciens avaient pris fuite quand j'allais ouvrir le sac. Mes frères et sœurs, les anciens de l'église, c'est qui? Ce sont les gens qui se trouvent dans l'église. On appelle les conseillers, les hommes âgés qui sont là auprès de l'homme de Dieu. Maintenant, cet homme veut ouvrir le fétiche, il fuit parce qu'ils savent qu'ils se peuvent passer comme des bons, mais ils ont une double vie. Donc, ils ont fui.
Ils ont eu peur. Ah, tu as peu de fétiches. Ah, mes frères et sœurs, le témoignage de cet homme se trouve en ce moment sur Nyan's Report. Regardez les témoignages puissants précédents et vous allez découvrir élément par élément qu'est-ce qu'il a vécu, comment ça a commencé, comment il était initié jusqu'à arriver ici. Dieu va vous répondre et va vous aider comme lui. Qu'est-ce qu'il va faire par la suite? J'ai commencé à parler jusqu'à 2h30. Et tous les anciens avaient pris fuite quand j'allais ouvrir le sac. Il a commencé la prière. Et le nom de ce pasteur, c'est Ilungamu Sekateo. Il est à Likasi, il travaille à la banque. Il est de la 37e communauté. Il m'a bloqué à Bunkeya de 96 à 97. Il m'a maintenant envoyé vers le révérend pasteur Ndala Mwenze. Et c'est ce pasteur qui a commencé maintenant la délivrance. Depuis 96. Depuis 96. Arrivé en 1999, c'est alors que j'ai eu la délivrance totale et réelle. Ça veut dire qu'ils ont fait 3 ans de délivrance. Et il m'a aussi bloqué dans sa maison. Et il a même bloqué dans sa maison, il ne veut pas le laisser partir. Il y a 7 ans. J'ai fait 7 ans. Mmh. Il était toujours en train de m'enseigner. Et en plus, il a fait 7 ans encore. D'enseignement où il était de lui prêcher la parole de Dieu, lui parler de Dieu, lire la Bible, entrer en profondeur dans la parole de Dieu pour mettre la parole de Dieu où, en qui, en lui et dans son esprit. Il était en train de m'enseigner aussi avec la prière. Mm-hmm. Il était de l'apprendre à prier parce qu'il ne savait rien de tout ça. Esprit. Tout ce qu'il savait, c'était d'évoquer les esprits. 7 ans. Donc, il était toujours en train de m'enseigner. Il était en train de m'enseigner aussi avec la prière. Maintenant, le jour où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est le jour où j'ai pris la décision que je veux servir le Seigneur jusqu'au jour de l'enlèvement. Le premier don que Dieu m'a donné, c'est le don de guérison. La deuxième, c'est la vision. Pourquoi Dieu m'a donné la guérison? Parce que avant dans le monde de la sorcellerie, j'ensorcelais. Et après, il m'a donné maintenant le pouvoir de guérir. Avant, je me levais, j'allais à Dako pour prier pour les malades. 2004. En 2004, c'est alors que le pasteur Ndala m'a consacré comme évangéliste. C'est alors qu'il a prié, il m'a libéré pour que j'aille annoncer la bonne nouvelle. Et j'arrive à Lubumbashi, j'évolue dans Church of Grâce. Je suis ancien là-bas, je dirige 2 départements, évangélisation et intercession. Le premier cadeau que j'ai reçu de Dieu, mes enfants ne meurent plus. Ma femme donne naissance à des enfants vivants. Il n'y a plus des enfants qui ont des queues. Parce que j'ai maintenant des enfants en Jésus. Et j'ai 5 filles. Si vous le voyez, vous ne croyez pas que ce sont mes enfants. Ils sont très belles. Amen. Amen. La deuxième des choses, chez nous, il n'y a plus de mort d'homme. Et actuellement, je sers le Seigneur. Et Dieu se manifeste tellement dans des grandes choses. C'est pourquoi je ne veux jamais abandonner de le témoigner. Même jusqu'au jour où Jésus va revenir. Je m'arrête par ici, que Dieu vous bénisse. Ah! Hey! Vous avez vu ce que Dieu a fait pour lui? Ce que Dieu a fait pour lui là, Satan n'a pas pu faire la moitié même. Même le 1K, 1%. 0,0011. Il n'a rien fait. Mais Jésus est fort. Jésus est puissant. Quand vous l'invoquez, il vient vous secourir. Dieu a un plan pour toi.
Tu es plein pour vous. Mes frères et sœurs, c'est le moment de prier avec moi et de dire, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, descends dans ma vie, je t'accepte aujourd'hui, sois avec moi à jamais, guide-moi. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu est là maintenant, il peut vous faire des choses extraordinaires pour vous, comme il a fait pour ce texte sataniste. Tout ce témoignage, dans sa plénitude, de toutes ces dimensions, nous avons traversé ces témoignages, nous sommes revenus encore là-dessus pour ajouter quelques éléments pour votre compréhension. Aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien marcher, ouais, pour recevoir même l'auto-délivrance. Mes frères et sœurs, faites le bon choix, revenez à Dieu et de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Félicitations à tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas facile d'être avec le Seigneur Jésus-Christ, mais à la bénédiction en étant avec le vrai Dieu. Cliquez sur s'abonner de cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer et laissez un j'aime si vous êtes touché par ce témoignage extraordinaire. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo de témoignage puissant qui ne manquera pas à venir. Ça va être chaud. Que Dieu bénisse vos frères et sœurs. Nous sommes le bon. Jésus est mon seul sauveur. Prenez soin de vous. Let's go.